annonce ici Morgan von Brelan. Et on se retrouve sur Death Bulge. La dernière fois, nous avions visité Touhoho. Arrivé avec Box. Ah. Box, t'es sérieusement en train de voler et de revendre notre matos alors que t'es parfaitement consciente qu'on est en train de vous regarder. Ouais. Ah. T'es dans une merde noire. Ha, même pas peur. Death Bulge me protégera. Pas vrai les gars? Ouais. Ah, tu veux dire le groupe qu'on a kidnappé avec succès va te protéger de nous? Ouais, d'accord. Ouais, donc Box qui... Donc, allez, une démon. La mère de Yann est fait révéler être une catcheuse professionnelle avec des soutifs pour ses abdos. Ah oui, il y avait un truc. En off, j'ai réorganisé un peu les patchs Cortical Hit qui étaient sur Yann. J'ai mis sur Brief du coup. Parce que ça donne 33% de chance au rythme de faire le double de dégâts ou de soins. Or, bah, mes rythmes, il a que ça. Donc c'est beaucoup plus intéressant sur lui que sur Yann. Du coup, Yann à la place, je lui ai mis Foot Punch 5. Ce qui a fait grimper son bruit, si vous regardez à droite, à 96. Sauf que 100, c'est le maximum. Voilà, c'est... La hype et la vie, j'ai l'impression que leur valeur maximum, c'est 1000. Pour les autres stats, c'est 100. Donc là, il est en dégâts maximum. Je vais pas dire qu'il ne fera jamais plus mal que ça, mais ça va être compliqué. Bienvenue au plongeon du canard. Est-ce que les gros nazes vont pouvoir s'en sortir face à notre nouveau modèle amélioré, flambant neuf, inspiré de Quackstack? Où se feront-ils Où est-ce qu'ils vont quand canner? C'est probable. Wow. Salut toi. Ok, alors vas-y, brief. Doute, doute. Face Melter. Point OGG. Ah, c'est utilisé par Bis. Oula, 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 oula. Ah, une vitesse améliorée, les enculés. Méga pop slap, je vous défonce. Oh. Eh, sérieux? Alors, t'as quoi? Cinq pour chance amplifiée. Ouais. Mets l'under à chaque. Bah! Ah, essayons. Oui, Kurt! Oui, ça proc! Pourquoi notre barre est devenue toute caca? Au secours! Ouais, Summer Jam, vas-y. Qu'est-ce qu'il fait? Aïe! Ok, il fait semblant de faire mal. Aucun problème. Nice! C'est marrant ce nouveau ennemi. Level up!
Donc pareil, ne bruit 98. Hein. Donc en fait, level up, ça fait quoi? Ça fait plus 2 à toutes les stats. J'aime bien sa tête à lui. Meurs! Ou là, si vous parlez allemand. La Bart, là. Et pas récupérer le petit jouet là. C'est pas grave. Je vais bien. Mais Spaïf, full vitesse. Oui. Oui. Faire ça. Ça, c'est du coup, faudrait que j'attende, Faut que j'apprenne. Oh, wait, pourquoi il a amélioré aussi lui? Ah, oui, c'est vrai! J'ai donné à Faye le patch qui améliore les petits potes. J'avais fait ça. Je crois pas pourquoi ça casse, ça pète dans tous les sens au secours. La musique qui est un banger comme d'habitude. Doute doute. Que t'es venu. Bien zémoué. Prêt. Oh oui. Et non, moi je me crame la gueule là. Ça veut dire soigne. Il fait mal, hein! Il fait super mal! Vous, interdit! Fais un button! Jouez les glingues! Prêt! Petite summer jam! On va se faire une jam! Pour faire une jam. Brem brem. Ah, j'ai dit, elle résiste. Ça marche pas mal le... Attends, on va voir. Genre Melody 24. Si, complètement plus, je mets ça à la place. Melody 24, ok. Donc ça montre pas directement à quel point ça change. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'il met des bastos à... Sérieusement? C'est un cul-de-sac, ça? Honteux. Brief qui est juste la buff bitch. Désolé, brief. Crame la belle. Je crame la meule. C'est ça que je viens de dire là.
Allez hop. 7. Hop, hop. Ah oui, c'est vrai, oui. C'est l'autre truc que j'ai mis à Yann. C'est le truc que j'ai mis à Yann, à chaque fois qu'il agit, il a une chance de balancer un Gentle Barry qui sonne tout le monde d'un coup. Nice. Et bah ça va, c'est des mauviettes les ennemis. Franchement, les autres guignols lâchent pas. Hein. Alors, vous avez conquis la plongée des canards. Ouh, bien joué. Je dis ça de la manière la plus condescendante possible, bien sûr. J'imagine qu'il faudrait que je me disais qu'il fallait que je précise, vu que je suis pas sûr à quel point le sarcasme passe à travers l'intercom. Les gueules. Oh oui, bien sûr, je l'ai bouclé quand j'aurai fini de parler. Alors, et comment vont les gros nazes s'en sortir face aux buissons? Aux buissons. Oh! Qu'est-ce que c'est que ce truc? D'accord, ça fait surtout ça de l'améliorer, ça l'empêche de se faire écraser. Nice. Alors, Ah, mais ça perd le... Mais on perd le bouclier une fois que c'est fait, d'accord. Non, que te le dis ? Prends ça, salaud ! Ouais. Ah, ce truc-là, à part le fait qu'il met des mesures de douleur à l'infini, il est pas très, impressionnant. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce labyrinthe ? On va changer une recette qui marche. Ouais. Je suis vraiment pas impressionné. Zone 4. Ouais. Et B, vous passez vraiment à travers tout ça à toute vitesse. J'ai le sentiment que vous trois vous avez du talent, mais... Eh bien, vous ne trouverez malgré ça pas les tunnels ting-tong si faciles à... Ah, qu'est-ce que je raconte? Vous allez passer à travers ça sans problème non plus. Bah oui, mais plus tard. Moi, je vais
Tu vas probablement pas aller par là. Ah oui. Et à quoi par là? Rien qui vous regarde. Hey, qu'est-ce que je vous ai dit? Vous êtes dans le mauvais sens. La zone suivante, c'est par en haut. Faites demi-tour. Ça rappelle un peu cette scène dans One Punch Man. Et ben, alors je vais aller de l'autre côté. Ok, on a compris, vous êtes tout curieux. Si je vous dis ce qu'il y a en bas, est-ce que vous allez arrêter d'y aller? Il y a peu de chance. Ouh, ça fait peur. Bonjour Intercom, ça va? Wouh! Trou inquiétant. C'est un trou inquiétant. On dirait qu'il y a une espèce de mécanisme qui occupe l'espace. Je crois que j'arrive à voir quelque chose en bas, mais il fait trop sombre. Je crois que je vois un visage? Ou la moitié d'un visage? Nick? Eh ben, le gars au masque a pigé. Faites demi-tour. Non! Alors, c'est quoi ce truc avec le trou, hein? Vous êtes fan de golf? C'est une expérience d'il y a longtemps. Alors qu'on commençait à peine. Il y avait ce groupe qui s'était rendu volontaire pour prendre part à l'expérience et... On s'y est mal pris, on a eu les yeux plus gros que le ventre et ça s'est mal fini. Quoi qu'il en soit, l'expérience s'est avérée être une sacrée abomination. Avec une expérience auditive absolument horrible. Il vous écraserait probablement en quelques secondes. Eh bah on dirait un sacré défi! Allez les gars! Vous voulez sérieusement vous tabasser ce truc? Eh ben, dommage! On l'a désactivé il y a une éternité, pour notre propre sécurité. Quoi? Comment osez-vous nous accrocher avec cette intrigue et cette histoire incroyable d'une expérience abandonnée qui était trop dangereuse? Juste pour nous empêcher... Pardon, pour nous... Pour nous spolier de la chance de... De vous donner tort triomphalement avec une puissante victoire. Je vous ai dit à plusieurs reprises de pas aller par là. C'est pas de ma faute si vous m'avez ignoré. Ta gueule! Bon bah c'est un cul-de-sac alors. Hein. Allez Yann, on perd notre temps. Retournons juste aux épreuves. Active-le! Non! Arrêtez de regarder le trou! Quel trou fascinant! Bon, bah c'est pas... C'est une caisse secondaire. J'imagine qu'il va falloir que j'aille l'activer moi-même. Ah, ils sont deux. Ah, je l'ai un peu vite, c'est pas fou. Ouais. Ça, je vais venir. Qu'est-ce que c'est que ça? Aïe! Doute!
Bien que Talvelli. Hop là. La sèche. On va vous sécher, bande de naze. Face Melter. En vrai, je sais pas si les effets de barre sont toujours si utiles, parce que ça reste des mesures de douleur normales. Et à côté de ça, nos dégâts... Qu'est-ce qu'il fait? À côté de ça, nos dégâts à nous, c'est toujours les mêmes. Ah pardon, non, au contraire, non, justement. À côté de ça, nos dégâts à nous, ils vont augmenter. Et dégage, crève. Ouais, bien joué la sèche. Trop de talent. Trop de talent. Direct Face Melter, j'imagine. Hein. Bon, j'essaie de te... Non, je n'ai pas mal. Je vais très bien. Je fais super bien. Non, pas la douleur. Mega Pop Sap, ouais, c'est lui. Allez, dégage. Va-t'en. Va-t'en, t'es mouche. Ah ah. Le bail qui proc. Bah, il proc. C'est une chance sur combien déjà? Une chance sur 3, je crois. Barry Club. Une chance sur 5, pardon. Une chance sur 5 de récupérer un tiers de notre vie. Oh. Peut-être de la puissance à deux mesures de la barre. Ah, mais c'est là qu'il était. Je croyais qu'on l'avait perdu. Et bah... Maintenant, oui. Maintenant, vous l'avez perdu. Bah, c'est pas important. On le récupérera bien assez tôt. C'est à partir du principe qu'on ne va pas juste vous casser la gueule. Non, parce que indice, on va vous casser la gueule. Ah, attendez, ça améliore deux mesures sur la barre du joueur. Ça, on va lui mettre un méga pop slap pour le principe. Ouais. Et par exemple, si je fais doute doute. Et que je fais bip bip bip. Pas mal. Pas mal du tout. J'ai pas du tout regardé combien ça coûtait par contre. Ça coûte combien cette merde? Ça coûte que 2! Bon, ça coûte pas que 2, ça me coûte aussi un tour, mais. Bon, allez. Qu'est-ce que c'est que. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Ting Tong. D'accord, mais c'est quoi? Ah, c'est des triangles. Ah, 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 ah. Ting Tang Tong. Ah. Ah, ah. C'est un problème. Et... Puis à chaque fois qu'ils se prennent des dégâts, ils nous en mettent une dans la gueule. Ah, 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 ah. Merci Yann, on en a besoin. Ah, ah. Alors, du coup, les buddies contre eux, c'est pas la meilleure idée parce que. Ils font pas si mal, mais nous derrière, on se prend une baffe. Ah, c'est dégueulasse. You. Alors. Oh, si, c'est pas mal. Tout, c'est 27 dégâts à son adversaire et protège la mesure active. Ah. Ah ah ah. Bah tiens toi plutôt que le. Plutôt que le Rhinadras là qu'on utilise pas. Tu vas mettre ça. En vrai, je suis tenté. Opération sac à merde, on va retourner en arrière. On va retourner en arrière. Hop là. T'as pas vu. Je suis pas là. On va aller l'améliorer. Puis récupérer du stock. Vas-y, repasse-moi. Protongation. Alors, de 14-27 à 20-33, pas mal. J'achète. Et... Ah, il est amélioré, ça protège deux mesures. Très intéressant, j'ai bien fait de revenir. Et désormais beaucoup plus puissante. J'ai eu la chance de la drop de notre première rencontre avec ces saloperies, hein, d'ailleurs. Parce que oui, ce sont de belles saloperies. Oups. J'ai pas fait exprès. Pas grave. Oh, ils sont trois. Hey, Shredder. Aïe. J'ai mal. Doudoud. Twang Frenzy! Bla! Bla! Aïe! On va sur le Jan. Tout va bien. Super mal, cet enfoiré. Remix. Je veux. Tu protèges ces mesures. Tu leur défonces la gueule. Ouais.
j'ai pas le bon perso pour ça. Je crois que j'ai pas tapé le bon. Wouhou! Il est fort ce patch quand même, hein. Si c'est bon, j'avais tapé le bon. C'est bon, j'avais tapé le bon. Voilà. On approche, hein. Mais sans bruit, on va les avoir. Ça, j'arrive. Je vais foncer dedans, j'aurais préféré les esquiver. Ah. Est-ce que ça fait avancer le curseur? J'ai pas fait gaffe. Oui! Donc je pourrais l'utiliser deux fois pour complètement protéger mes... Pour complètement protéger mes barres. Aïe! Pourquoi j'avoue quelqu'un de petit? Aïe! Pas mal! C'est pas grave. J'ai un matos. Les portes qui s'accumulent! C'est génial. Ouais, je sais, je sais. Ting tong tang tang. C'est vrai que j'aimerais bien avoir mon kettlebelly, même s'il fait mal. Brin. Twang Frenzy! Aïe! C'est pas grave, le soin! Ce patch est si fort! À chaque action de Yann, chance sur 5 de rendre un tiers des PV à l'équipe. Ça dépasse l'entendement! Beaucoup trop fort. Hein, y'a rien ici? Qu'est-ce que c'est que ce... Alors, you want some? Tu me cherches? Alors, côté actif, le porteur. Ah! Le porteur se prend une baffe. Il balance son rythme principal équipé à 75% d'efficacité. Eh, hey, mais vous avez du goût en fait. C'est un bon groupe, c'est un bon groupe. C'est quoi votre tube préféré de You Want Some? Je crois pas les connaître.
Alors pourquoi vous avez pris le patch? C'est une bonne question. Donc il répond. Ouais. Non, je pense pas que j'en veux. Ah! J'avais oublié qu'il m'avait suivi. Je peux être coupable. Kurt! Oh oui! Oh là, il a fait 14 au lieu de 7. C'est très impressionnant. A besoin de toi, la sèche. Fais du crin-crin. Ouais, nice. Aïe. Comme ça fait mal. Aïe. Eh, hey, bien joué, tu les as séchés. On a si mal. On a... si mal. Non, non, je vais plus les affronter. Il m'aggro même pas en plus, c'est enfoiré. Et le texte. Et le texte était. Comment vous avez su? T'es tout seul ici, y'a que toi, t'es spécial? Il est spécial? Même pas, il est tout seul. Bah, je vais juste fondre ton visage si. Tout de suite avec ta permission. Ce soit vite le nurture là. Oui, un peu quand même. Heureusement, j'ai pas le temps de faire le muse avec ce truc. Ah. Ils font beaucoup trop mal. Au secours. Allez. Ah. Une boîte qui est tombée de son perchoir. Ah oui, mais c'est quand on a balancé. Il y a un énorme ressort dedans. Ah ah ah. Fait dormir. Alors, le canapé des gros nazes. Bien que ce canapé soit assurément pour les renazes, il a l'air assez confortable pour une petite pour un petit somme. Alors, tu veux pioncer les gros nazes? Oui. Je le veux. Et je veux m'arrêter là. On va sauvegarder. Et je vous dis au revoir à tous. Et à la prochaine.